Donc Mattel existe depuis 1987. Depuis 30 ans, nous faisons de la fourniture pour les fabricants d'enseignes lumineuses. Et Mattel est à même de proposer des solutions complètes de ce qu'on appelle relamping, c'est-à-dire échanger les équipements existants et vieillissants dans les bâtiments pour les remplacer par leur équivalent en technologie LED. Donc ça part d'une étude énergétique du bâtiment, en passant par une étude technique de l'éclairement voulu et du confort voulu et des conditions voulues par le client, à la fourniture de matériel, puis à la maintenance et au financement de ce matériel sur des périodes de 2, 3 à 5 ans. Nous nous sommes équipés d'une solution relais, au départ pour gagner du temps, puisque nous avions deux personnes à temps plein sur une semaine dont la tâche était d'imprimer, de plier et de mettre sous enveloppe les factures de nos clients à la fin du mois, donc entre 1500 et 2500, à peu près 2000 en moyenne. Et en plus, nous avions des problèmes de fiabilité de cette tâche, puisque comme tout était fait à la main, il pouvait arriver que certains courriers restent collés au courrier précédent et du coup envoyer des factures qui n'étaient pas destinées à nos clients. Parce qu'on parle de remise spécifique aux clients, on parle de prix spécifique. Et si vous envoyez les prix, puisqu'il faut savoir que nos clients sont tous plus ou moins concurrents, donc ça peut être très très problématique. Ouais. Je pense qu'il est capital de pouvoir proposer et la facture papier et la facture email, dans la mesure où aujourd'hui une personne entre 25 et 40 ans, pour la plupart en tout cas pour nous, vont préférer une facture électronique parce que c'est beaucoup plus simple à gérer, ça évite du papier, ça évite du gaspillage, ça évite que ça se perde aussi. Donc en termes de comptabilité, en termes de gestion, c'est beaucoup beaucoup plus simple. À terme, on y viendra à la dématérialisation de factures. Mais pour l'instant, actuellement, on les envoie encore par papier. Et notamment parce que nos clients sont pour la très grande majorité des artisans et que certains sont encore au fax. Donc pour l'instant, voilà, ce n'est pas à l'ordre du jour. À une entreprise qui souhaiterait s'équiper d'une solution relais, je dirais que l'avantage premier, c'est la sécurité par rapport à l'intégrité des envois. Puisqu'encore une fois, au-delà de la perte de temps, vraiment l'erreur d'aiguillage peut coûter beaucoup plus cher que même deux personnes à temps plein pendant une semaine pour faire de la mise sous pli. Et dans un deuxième temps, l'économie de temps, puisque les ressources humaines sont aujourd'hui utilisées pour faire des tâches bien plus intéressantes que faire une tâche répétitive sur 2000 factures à la fin de chaque mois.